Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant. Je suis en compagnie de Franck Sauzet pour vous faire vivre ce match. Salut Hervé, content d'être à vos côtés. Et nous allons suivre la rencontre entre le Bayern Munich et le FC Nuremberg. Salut à tous, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons pour ce match. Aujourd'hui, c'est le Bayern qui va évoluer devant son public. C'est un avantage certain, hein. Le soutien du public peut peser dans ce match. Eh bien, on attendait cette équipe en début de saison et elle ne déçoit pas. Elle reste un candidat sérieux pour le titre. Müller. Marie Götze. Ballon piqué pour Ibrahimovic. Attention à lui, hein. Il dégaine très vite. L'arbitre est présent d'entrée de jeu. Ils ont dû répéter une combinaison à l'entraînement. Ça passe largement au-dessus du but, que dis-je, au-dessus du stade. Balic. Chakiri reste un très bon technicien, bon dribbleur, redoutable en 1 contre 1. Ah, le centre! Le ballon bien dégagé. Thomas Müller. Ah, il a mal pris ce ballon. Il a ripé sa frappe. Oh, le but peut-être. Il faudrait peut-être venir en soutien pour l'aider. Ah, il perd le ballon. Ça s'approche. Chakiri. Ça profite. C'est bien arbitré. On revient à la faute. L'adversaire finalement. Un très bon contrôle. Alain Robben. Le centre. Elle dégage avec autorité, c'est bien joué. Oh, ça va rentrer. Oh, qu'il allait vite ce ballon, mais le gardien était bien là. Poteau ACB, elle va pouvoir relancer maintenant, c'est parfaitement fait. Oh, la lutte est âpre pour reprendre ce ballon. Attention à la réception de ce centre. Follner. Makoto ACB. Poteau ACB, on s'approche du but. Ouais, c'est bien taclé, il faut récupérer ce ballon maintenant. Faut tester l'arbitre, que va-t-il décider? A mal assuré la passe, hein. Ça file en touche. Benzema. La frappe, oh, ça allait vite, ça allait très vite, mais pas assez pour surprendre la vigilance du gardien. Ouais, corner, et il y aura danger dans la surface. On va tirer ce corner, le Bayern de Munich à l'attaque.
Et il repousse le danger. Et le gardien qui est allé au bout de cette action. Ce ballon qui traîne, on est vers la zone de vérité. Marcotto a cédé. Robben. Il récupère le ballon, c'est le contre. Balic. L'arbitre qui siffle contre le Bayern. Cette faute qui lui vaut un carton jaune. Et quand on connaît son rendement offensif, on se dit bien que l'entraîneur va lui demander de se calmer. Il ne peut pas risquer de le perdre. Et également servi, attention. Pour aboutir, ballon contré. Il ne peut plus que marquer. Oh, oui, ça rentre. Et c'est donc l'ouverture du score 1-0. On le retiendra donc dans cette première période. Bien qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps. Une première période assez surprenante finalement, avec une équipe qui domine, mais qui n'est pas celle qu'on attendait. Et non, la surprise est totale en effet. Allez, on a pu recharger les batteries, encore 45 minutes d'effort. Et il vient presser la Zlatan Ibrahimovic. Oh, la lutte est âpre pour reprendre ce ballon. Plutôt à céder. Arjen Robben. Mario Götze. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Balic. Thomas Müller. Oui, le bon tacle. Oui, j'ai parlé trop vite. Les Bavarois à l'attaque. Ouais, c'est repoussé. Le de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Fellner. Mendela. Robben. Et le but pour conclure peut-être. Ok, elle est bien partie. Le Bayern qui marque. But du Bayern. Et les compteurs qui sont remis à égalité avec ce but. Et les voilà donc à égalité, un but partout. Fellner. Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Oh oui, bien joué. Juan va marquer. Ouais, elle est bien partie cette frappe. Zlatan Ibrahimovic. Oh, c'est le but. Le but qui leur permet de passer devant. Changement demandé par l'entraîneur qui essaye de verrouiller un peu son système pour préserver le résultat.
Allez, les joueurs sont euphoriques. Deux buts en l'espace de quelques minutes. Les défenseurs qui ont l'air dépités. Ah, c'est un but de fouine de joueurs qui traînent dans les surfaces de réparation. Et le ballon qui va changer de possession. Prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire entrer un petit peu de sang neuf. De mordance au front de l'attaque avec ce changement. L'objectif, c'est bien sûr d'égaliser au plus vite. On s'approche du but. Ça peut arriver à tout le monde de se tromper. Une bonne interception sur l'aile. Ouais, il saute pour éviter le tacle. L'occasion peut-être avec cette frappe. Le but ! Voilà égalité ! À deux partout, c'est vraiment très serré. Visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Il va pouvoir centrer. Attention à ce centre. La défense vigilante sur ce coup. Mario Götze. Thomas Müller. Il se dispute. Ah, attention, la frappe. Le Bayern qui marque. But du Bayern. Du gardien sur cette image, regardez ce ballon comme il est bien placé. Eh oui, il a mis exactement là où il le fallait. Le gardien ne pouvait rien faire. Et 3 buts à 2 à la marque. Oh, quel match! Bakoto a cédé. Regardez comment se répartissent les tirs. Et l'attaque enrayé. On n'a pas le droit de rater ce genre d'occasion lorsqu'on est mené. Peut-être mieux à faire que de tirer d'aussi loin. C'était bien tenté, mais ça manque de précision. Avec Zlatan Ibrahimovic. Oh, quelle action, le but peut-être. Ouais, je le tire. Est-ce qu'il n'aurait pas dû se mettre sur son bon pied? Si, mais en avait-il la possibilité ou la lucidité, hein? Ouais, le bon centre, il y a danger. Zlatan Ibrahimovic. Il était parvenu à prendre ce ballon de la tête et connaissant, on pensait que le plus dur était fait. Et c'est vrai que le jeu de tête, c'est son fort, mais cette fois, il ne capte pas son ballon. Balic. Un remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Bakoto a cédé. Attention de ne pas prendre la jambe. Fin du match approche et le score qui n'évolue plus, c'est tendu, très tendu. Robben. Ah oui, ça c'est un centre extra. Zlatan Ibrahimovic. Le Bayern qui marque. But du Bayern. Eh bien oui, c'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Et il est vraiment performant dans le jeu aérien. Il a montré sur cette action 4 buts à 2. Une avance de 2 buts donc au tableau d'affichage. Avec Götze. Et il stoppe l'attaque. Oh, ça va rentrer. Oh là, pas de problème pour le gardien. Non, pas de problème, effectivement, il a frappé le ballon du bas vers le haut. Dans ces conditions, c'est difficile de cadrer. Et c'est dommage, la vitesse du contre, eh bien, n'aura pas permis finalement à ce joueur de concrétiser. Une minute, c'est le temps additionnel qui est indiqué à l'instant. Peut-être le but, ouais, le poteau. Qui met fin à cette rencontre. 6 buts au total dans cette partie. Une belle victoire 4 à 2. Et ça se termine donc sur cette victoire étonnante. Ils ont eu ce qui a manqué.